Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Analyse. Notre invité ce soir, c'est le président du Sénat de la République, en même temps le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Youri Latortu. Youri Latortu, c'est un homme politique qui a gagné en pile et référence des dolir. Nous avons rapidement dit que son ancien fort officier des forces armées d'Haïti, il était responsable de sécurité dans le palais national, il vient d'entrer dans la politique, il crée propre parti politique, lui, Atibonite en action, AAA. Et Younes Jodia a dirigé le Sénat de la République, il a une importante fonction dans l'institution pays d'Haïti. Sénateur Latortu est de passage en Floride et avec lui, nous allons faire un petit coup d'œil sur la réalité pays d'Haïti. Sénateur Latortu, ou ses présidents du Sénat de la République, un pays qui a un pile problème, problème structurel, problème conjoncturel, un pays à problème qui est au niveau éducation, santé, et économique et sociale, infrastructure, environnement, nous te capons paquet. Très succinctement, comment résumer Wolo? Eh bien, Wolpam est venu à partir de sa constitution, dit sur le régime politique que nous avons. Dans le régime politique, là, nous avons trois pouvoirs, les articles 59 et 60 de la constitution. Il dit qu'il y a le pouvoir exécutif qui est là pour exécuter, le pouvoir législatif pour légiférer et contrôler, et le pouvoir judiciaire pour trancher les litiges. Il dit que le pouvoir exécutif là, il y a deux têtes, un président qui est le chef d'État et un premier ministre qui est chef de gouvernement. Il dit que le pouvoir législatif là, il y a deux branches, un Sénat et une Chambre des députés. Et il dit que les deux corps sont réunis, ils ont formé l'Assemblée nationale. Et il dit que c'est le président Sénat qui est président de l'Assemblée nationale. Donc, Wolpam, c'est gérer un pouvoir qui gagne pour mission contrôler l'exécutif là et légiférer. Donc, moi, je crois que à partir de la Constitution, voilà, les déterminer, les clair. Et dans ce sens-là, moi, arrivé comme président du Sénat, moi, justement, gagne séance pour m'organiser de mercredi, mardi et jeudi. Nous faisons toutes séances. Nous votons loi environ en vingtaine et nous votons des conventions. Conventions ont voté à l'Assemblée nationale, loi ont voté en chambre séparée. Mais, je vais juste un bon exemple. L'année dernière, en tout, dans la législature, là, où pas de 15 lois qui votaient, moi-même, dans la seule session, nous avons voté 20. Nous faisons travail de contrôle, nous, mais situé les mercredis de contrôle parlementaire, côté chaque mercredi, eh bien, nous recevons un secteur dans le gouvernement qui vient expliquer nous problèmes, comment pour nous résoudre. Ça veut dire que nous devons recevoir la Banque centrale, nous devons recevoir les banques et commerciales d'État, nous recevoir eh bien, le gouvernement sous feuille de route et nous recevoir sous question courante. Donc ça veut dire que moi, je crois que Wolpam permet que moi exercer mission ça. Et moi, je crois que c'est la première fois que la mission s'est exercée sans que nous n'ayons pas de chaise vide, sans que nous n'ayons pas de manque de quorum. Et nous sommes arrivés pour la session à présenter un bilan qui fait que le rôle constitutionnel que nous avons, nous exerçons. Et actuellement, député en vacances, le deuxième lundi du mois de juin, nous allons recommencer jusqu'au deuxième lundi du mois de septembre. C'est ça. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Anouchita sous pouvoir de contrôle que constitution bail Parlement, le Sénat et la Chambre des députés. En plus, le monde ne peut comprendre comment que une institution qui gagne cette mission, ce mandat en pouvoir de contrôle, les fait cause commune dans la formation gouvernement, les impliquer directement dans le choix des ministres, des directeurs généraux et appareils gouvernementaux. Très bien. Moi, parce que question ça a pour Albam opportunité pour m'éclaircir en pile point que je pensais que normalement qui était obscur. Le gouvernement est l'émanation du Parlement. Président pas dépend du Parlement. Régime politique là, limité au président qui est chef d'État et au gouvernement dont le premier ministre là joint légitimité dans le Parlement. Le plus souvent, là où est que le Parlement a parlé avec le président, il dit que c'est député et sénateur qui forment le gouvernement.
Ce n'est pas député et sénateur qui forment le gouvernement. Ce sont les partis politiques qui, en dans le Parlement, qui ont même, justement, participé dans la formation du gouvernement. Si le gouvernement a une majorité, il n'y a pas besoin de député et sénateur de l'autre parti. S'il a une majorité, s'il n'y a pas une majorité, il est obligé de faire alliance avec l'autre parti pour le former le gouvernement. En par exemple, en Espagne, il a fait 6 mois par le gouvernement. Parce que le premier ministre là, il n'y a pas de majorité. En Belgique, il y a 9 mois par le gouvernement. Moi-même, moi, c'est chef parti et sénateur. Par exemple, pour AAA, le nota le gouvernement Haïti en action, demander à ce que justement nous occupions le ministère de la justice. Le SAA, situation te fait que c'est AAA qui t'a pas le représenté, mais c'est moi comme sénateur qui t'a allé participer à la négociation. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement important pour que nous comprenions le président ou chef de gouvernement parler à peut-être un député qui représente le parti là. Mais ce sont les partis qui forment le gouvernement. Et si je dis, comme ça a été arrivé en 1996, OPL a une majorité, il n'a pas demandé à l'autre parti politique qui est entré là-dedans. Il a formé le gouvernement et il a avalisé, que ce soit à la Chambre des députés ou au Sénat. Donc, dans ce sens-là, ce ne sont pas les députés et sénateurs qui rentrent directement, c'est des gens qui ont avalisé par parti, qui viennent négocier au nom de leur parti. Maintenant, comment pouvoir de contrôle ça capable d'exercer lorsque le parti politique, là, il y a un sénateur PAL, député PAL qui représente dans le Parlement, il y a une influence dans le Parlement, et puis il y a un ou deux ministres dans le gouvernement, directeur général ou bien administrateur. Comment pouvoir exercer le pouvoir de contrôle ça? Eh bien, c'est capacité ça. Justement, que un député ou un sénateur doit gagner pour comprendre le job. Lorsque, par exemple, à un certain moment, dans le gouvernement du président Martelly, nous avons désigné un ministre des Sports à Haïti en Action. Nous dit ministre des Sports, là, mais qui voulait aller, mais lorsque tu as un contrôle sous question ministre, pas oublier, le ça. Ce n'est pas parti qui a exercé le contrôle, c'est moi-même, député sénateur, qui a exercé le contrôle, sous mon ministre. Si que l'une partie a été qu'un bel livre pour une claire ou te fait, ok, mais sous pas fait, nous devons même demander au gouvernement à ce que représentant qu'un débat là le sorti, nous mettons l'autre. Parce que la fonction du député ou du sénateur se résume à 2 fonctions constitutionnelles: voter les lois et contrôler. Maintenant, à l'intérieur du parti, il y a un choix. Mais ça n'a pas empêché que mon député, mon sénateur. Bon, on va arriver au monde pas faire. Mais l'on va faire son pays à cobaye. Parce que l'on a une élection, parti à vous, mais c'est où qui parle devant le peuple là. C'est où qui dit peuple là, moi qui fonctionne, je vais le faire, je vais le contrôler, je vais le légiférer. Donc, si vous arrivez aujourd'hui, ou pas faire, ou quitter, parce que c'est au ministre, son monde pas, ou qu'on va faire, moi je crois que vous déviez de mission et de débat. Voilà, mesdames et messieurs, sous analyse, vous suivez notre édition de analyse avec le sénateur de la République, Youri Latortue, qui est en même temps le président de l'Assemblée nationale. Nous proposons, nous tout à l'heure.